applaudir Gérard Depardieu qui nous rejoint. Son livre « Ailleurs » est publié au Cherche Midi. On a de la chance, on a les plus grandes vedettes qui viennent dans « On est en direct » ou « On est presque en direct ». La semaine dernière, c'était Carla Bruni. Cette semaine, c'est Gérard Depardieu. Bravo pour votre livre « Ailleurs ». Qu'est-ce qui se passe là? J'ai l'impression que vous avez eu un accident. Un accident, tout de suite les grands mots, hein? Non. Disons que ça, c'est des exagérations de journalistes. Je me suis juste montré autoritaire avec un poteau récalcitrant. Voilà, on vous met le micro. Allez-y, on est en direct, ouais. Ou presque. Votre micro, monsieur Depardieu, c'est normal, vous avez fait péter le micro. Mais oui, mais je fais tout péter, moi, qu'est-ce que tu veux. Merci. Vous avez encore le permis, Gérard Depardieu? Évidemment que j'ai le permis. J'ai le permis russe. Ah. Là-bas, il te le retire si tu roules avec moins de 2 grammes dans le sang. J'adore ce pays, hein, hein. Si tu tombes en panne, tu pisses dans le réservoir et tu redémarres. En tout cas, on est ravis de vous avoir dans notre émission, hein, monsieur Depardieu, pour votre livre « Ailleurs ». Et vous avez quand même déclaré dans ce livre que vous trouvez que la France était un pays triste. Évidemment que c'est triste. Tu trouves pas ça triste, toi? Si. Hein? Rien que le nom des villes, Évian, Vittel, Vichy. Que des noms de flotte, mon lolo. Hein? C'est plus un pays, c'est une cure thermale. Non. Quand même, il vous parle. Il y a. Non, mais je cherche des noms. Il y a Cognac, quand même. Oui, il y a Cognac. Il y a Cognac. Ça, ça va. C'est vrai que vous avez vendu toutes vos propriétés après avoir déjà vendu vos restaurants. Ben oui, évidemment. Mes restaurants, je mangeais dedans, donc ça me coûtait de l'argent. Oui. Hey, hey. Rien que d'en parler, ça me rend nerveux. Tiens, faut que je boive un coup. Ah, ah mais c'est du gel hydroalcoolique. C'est con. Il mettrait un peu moins de gel, il serait plus goulé. Bon, là, dites-moi quand même, monsieur Depardieu, si vous vendez toutes vos propriétés, comme on l'a dit, où est-ce que vous allez vivre? Mais je peux vivre où je veux, mon vieux. Moi, je suis un citoyen du monde, tu vois. Hein? Qu'est-ce que tu veux que je foute dans un pays qui ferme à 21h? Oui, j'ai plus rien à faire ici, moi, je vais me barrer. D'ailleurs, je vais te faire un petit scoop, du buzz pour ton émission, regarde. Tu vois ça? Elle est où, la caméra? Voilà ce que j'en fais de mon passeport, regarde. Voilà, voilà, voilà. Ah merde, c'est mon passeport russe. Oh, ce qui veut dire... Je sais pas, je parle pas russe. Enfin bon, Vladimir, il m'en ferait un autre de passeport. C'est mon ami, Vladimir. Ah bon. Oui, chaque fois que je vais le voir, on est là, on mange des truffes en se touchant les valseuses devant le lac Baïkal. C'est d'une beauté, mon lolo. Après, je lui dis, on n'est pas bien là, à la fraîche, décontracté du Gdansk. Oui, évidemment. Gérard, on vous le reproche quand même souvent, cette amitié avec Poutine et d'autres dictateurs, c'est quand même un peu gênant. Allons. Sont des gens, pour certains, qui ont du sang sur les mains. Allons, oui. Ça vous gêne pas? Eh oui, évidemment que ça me gêne, hein, évidemment. Et moi, je suis un mec sensible, moi. Évidemment que je suis touché. Je suis touché, hein. Je suis un mec sensible, hein, hein. Et je sais plus mon texte, qu'est-ce qu'il y a? Le téléphone doit sonner à ce moment-là. Ah, oui, mais tu sais quoi? Ça me donne faim, d'ailleurs. Rien que d'en parler, ça me donne faim. Tiens-moi ça. C'est lequel? Ah, mais combien vous avez de téléphones? Oh, j'en ai plein, mon lolo. On va dire que c'est ces deux-là. Oui, allô, qu'est-ce qu'il y a? Ah merde, j'avais oublié. Bon, allez-y. Dites à Talleyrand de rétablir la monarchie. Oh, viens, il est fixe. Il faut aller chasser le sanglier. Oui, je suis en train de tourner 2 films en même temps. Oui. Danton 2 avec Michel Houellebecq et la bande à Fifi. Et Astérix et Obélix face à Pandémix, avec je sais plus quel con dans le rôle d'Astérix. Non, mais attendez, que je comprenne, là. Vous tournez ça par téléphone? Évidemment, ils se démerdent au montage. Hein, hein. De toute façon, le cinéma, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Dans le cinéma français. Hein? Oui. Y a plus rien. Oui. Y a plus rien. Il hein. Y a quand même des films qui cartonnent. Oui, je vais faire la suite des blagues de Toto. Hein. Je vais faire le rôle d'une blague carambard. Tiens, ah, je t'ai fait le texte. Ok, Maurice, ça va te plaire. Ok, je garde la saucisse. Regarde la saucisse. Okay. Ça peut servir. Ok. C'est quoi le texte de Pourquoi le football, c'est rigolo. De Toto 2. Pourquoi le football, c'est rigolo? Parce que Thierry Henry. C'est pas drôle, ça. Non, évidemment, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. C'est pas du blé ni du pialam, enfin, ça paye les digestifs. On est loin de Cyrano, quand même. Vous vous souvenez de cette époque, le film de Rapneau? Ah oui. Vous étiez formidable dans Cyrano. En parlant de ça, je vais t'offrir quelques verres. Ah. Merci. Oh, toi, Saint-Émilion, qui me tâche le plastron, remplis bien vite ce bedon. Oh, toi, divin Chablis, que je pisse au seau du lit, descends dans ce conduit. Oh, toi, Bordeaux super... Oh, puis merde, j'ai soif. Vous n'avez pas faim? Si. Si.
C'est ça que vous appelez des vers, alors, aujourd'hui? Ah, évidemment. Hein, ça, c'est mon Jeannot qui me les a appris, Jean Carmet. Ah oui, c'est un poète. On aime bien Jean Carmet. Ah, oh, c'est un poète. Je vais t'offrir une de ses citations. Ouais. Attention, c'est du miel pour les oreilles. Prépare-toi. Vider une bouteille avec quelqu'un, c'est une manière pudique de se dire l'amitié. Il faudrait que les bistrots aient un parfum d'éternité. Allez, je te laisse. J'ai envie de pisser. Gérard Depardieu, bravo. Alias Cody Kim, bravo, était comme chaque semaine notre témoin inattendu.